Et salut, c'est Tigav et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve, on va encore sélectionner le chapitre, on se retrouve pour Fugitive, qui est lui où on était rendu. Alors on va faire sauvegarder, voilà. Voilà, solo. Oui, je m'en bats les steaks. Ah oui, on peut aussi utiliser l'application Biome de Via, qui est quand même... Bon, certes, je vais être honnête avec vous, j'ai essayé, c'est de la grosse dose. En plus, je peux même. Si je voudrais l'utiliser, je peux même pas. Quoique, attendez deux secondes, je veux juste vérifier quelque chose. Non, je pourrais même pas vous la montrer, de toute manière, c'est de la merde. Voilà. Un train, de la pluie. Et Aiden. Et Jody sont dans le train. Bah, en fait, Aiden, il est dehors, il est en train de se faire chier. Alors, on va juste... Aiden, arrête un peu, ok? Il n'y a même pas d'eau dans ta bouteille. Bon, je pourrais la faire chier encore en poussant son sac, mais on va aller s'occuper des autres avant. Oui, parce qu'il y a d'autres personnes dans le train. Oh, il y a lui. Sa valise va y tomber dessus parce que voilà... C'est juste ça que tu mérites de te faire chier. Alors toi, par exemple, on va te vider de ta chaleur. Bah en fait, juste le réveiller un peu. Vous êtes prêts? Yeah, pousse Froda! Le mec, ouais. Attendez, ça c'est la porte pour sortir. Hein. Je suis jamais venu ici. Ok, la porte est... Okay. Bon, en tout cas, j'essaye de comprendre, ça veut pas. Alors, on va faire bouger le sac. Maintenant, on fait bouger le magazine. Oh, on y est atteint. À George à comprendre. Si je me trompe pas. Ouais. Merde, j'ai pris trop de temps. En tout cas, il y a un panneau en haut qu'on peut utiliser aussi. Et il y a le sac de Jody qu'on peut faire tomber puis il la fait fâcher encore plus. On va utiliser le sac pour voir. En tout cas, je vais essayer d'utiliser le sac pour l'avertir qu'il y a des policiers. Voilà. Hein? Nous on le sait qu'il y a des policiers, elle le sait pas parce qu'elle adore et nos pensées ne sont pas connectées ensemble. Alors on va rentrer, on va voir si Chad de. Oui, allez. Regarde si ça change quelque chose si vous la réveillez pas. Je sais qu'il y a plusieurs façons de faire l'histoire. Bonsoir. Contrôle de routine. Est-ce que je pourrais voir vos papiers? Moi j'ai oublié dans la soute à l'arrière. Je reviens. Retournez à votre place s'il vous plaît. J'adore ça. Tiens. J'adore ça parce qu'ils ont même pas vu mon visage quoi. Ah, que j'adore ce jeu-là. On saute. Ah, lâche-moi. Touche-moi pas. Bon, on va s'échapper. Bon, allez, on va aux toilettes. J'ai mal fait mon mouvement, mais bon. On est dans les toilettes. Fais-moi pas chier.
Et là, c'est mieux. Ma casquette! Votre chapeau, monsieur l'agent, vous l'avez échappé. Allez le chercher, il est au fond complètement. On a franchi quoi, 3 wagons? Ah ouais, je me trompe. Le mec est plus intéressé par essayer de se tenir droit, quoi. Eh merde. J'essaie de me diriger, mais bon, c'est pas si facile que vous le croyez. Il y a deux personnes devant moi, là. Une personne est devant, là. Alors. Le temps de leur mettre leur putain de dérouiller. Et là, c'est aussi dur que vous croyez. Comme là, vous voyez, j'ai manqué ma chute, je me suis fait donner une volée. Alors, on va essayer de plus manquer sa chute, hein. Voilà. Le moins possible, hein. Putain, il faut le moins possible. Protection. Bouclier. Et on, elle vient de se péter deux jambes. Elle est morte. Fin de l'histoire. Elle ne peut plus courir. Non, je plaisante. Elle s'est juste fait mal un peu à la jambe, si je ne me trompe pas. Voilà. Vous savez quand vous étirez un muscle? Ben voilà. Oh, je vous laisse avec eux. Oui, je sais. Mais oui, Aiden. Il faut qu'on sorte d'ici avant qu'ils reviennent. Trois, deux, un, voilà. Là, on change de forêt complètement. Là, il y a une forêt spécialement avec des arbres à terre, des arbres à mi-hauteur et une descente qui mène à une rivière. Voilà. Voilà, vous voyez, cet arbre-là, il n'était pas là. Là. Après, je devrais en théorie pogner. Voilà, un arbre à terre. Là, je devrais pogner un autre arbre dans les airs. Non, mais... Avance. J'adore la caméra, c'est de la merde la caméra. On saute, et après on se penche. Non? Voilà, la rivière. Alors là, c'est la partie que j'ai le moins parce qu'en fait, il faut que je martèle le R1 et L1. Et peu importe la vitesse que vous allez, l'écho, elle arrive là. Les balles fusent à côté de vous. Allez, grouille. Allez, saloperie. Avant, on se dégage de bouger tes jambes. Oh. Ça vient de me figer ça d'en face, pas pire, ça. Ça me le fait pas habituellement. C'est la première fois que ça me le fait dans le jeu. En théorie, on doit affronter des chiens, absolument. Et après... Voilà, les chiens, voilà. Alors, on est obligé de les avoir, parce que sinon, en tout cas, à date, j'ai remarqué que mon histoire avançait pas en doute si je poignais pas les chiens. C'est parti, j'aime pas donner des fessées aux chiens,
J'adore le chien. Mais dans ce jeu-là, là, honnêtement, il faut pas que je le manque hein, aussi. Sinon, c'est Aiden hein, qui va s'en occuper, je vous le dis. Là. J'ai déjà fait, à un moment donné, je me suis loupé solide à un QTE. Le QTE juste du dernier chien. Voilà, ce QTE-là, je m'étais moffé. Là, on va se... Là, on va essayer de pogner le rocher. Ah non, c'est lui ici que j'avais moffé, oui, c'est vrai. Tu veux quoi, toi? Ça l'a pris. En théorie, il devrait avoir une montagne par là. Je sais même pas par où je suis supposé courir. Où est-ce qu'elle est passée? Ah, par là. Voilà, ici. Alors c'est parti. Là, faut que j'appuie sur toutes les touches et il y en a beaucoup. Voilà, vous voyez, quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, là, c'est... Allez, monte. Maintenant, on se cache. Merde, ils sont juste là. Camouflage 10 000. Vous ne vous ferez jamais remarquer par vos ennemis avec le camouflage 10 000. Même s'ils sont à 3 cm de vous, ils ne vous verront pas. Alors que vous êtes extrêmement visible. Allez, on monte. C'est presque fini, hein. C'est... Ben, presque fini. C'est le chapitre le plus chiant et le plus long. Ben non, c'est vrai, il y en a un encore plus long, mais c'est plus tard. Et au moins, ça va, c'est une petite mission bien tranquille, quoi. Mais là, c'est plate, là. Vous faites juste courir, vous pouvez pas répliquer. Honnêtement, j'aurais demandé à Aiden de tout les tuer. Pas de problème pour moi, là. Aiden... Tu vas t'amuser avec ces policiers-là, j'espère. Ah, allez. L'agence m'a appris comment me camoufler. Vite. Oui, vas-y, Aiden. Vas-y, amuse-toi. Alors, c'est parti. Le truc plasmatique a fait juste nous montrer ça ici, voilà. Alors, une voiture de police et un gars qu'on peut prendre possession. Ah oui, en passant, elle sait piloter des motos. Demandez-moi pas de où elle sait ça, je le sais pas. La seule affaire que je sais, c'est qu'Aiden ne sait pas conduire les hélicos. Ça, c'est la seule affaire que je peux vous dire. J'ai essayé avec l'autre véhicule, il est barré. Voilà. Avant que vous me demandiez. Il est barré. Alors lui, ça va être assez drôle. Même les chars, il sait pas conduire ça. Ou un tout petit peu. Où tu vas, Mike? Allez, allez, je dis. Allez, 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 avance, avance, avance. Vas-y, je dis. Vite, R2, ou L1. Allez, c'est parti, mon kiki. Oui, on a volé une moto. Moi, je me demande bien comment le gars il fait pour expliquer après à ses amis. Ben, je sais pas, moi, je suis à côté de ma moto. Ah, je peux pas fermer ma lumière, ok. Oh, c'est juste, c'est visible un peu, quoi. Juste un peu. Ah, voilà, là, je peux quasiment lâcher l'interrupteur pour le gaz pendant quelques secondes, voilà. Ah, j'adore cette vue-là, honnêtement, là. Vous mettez cette vue-là dans n'importe quel jeu, là, pas de problème. Mettez-moi juste pas une hélico d'en face, je vais être correct. Mais là, après, regardez. Et boum, boum. Voilà, on conduit dans le noir, quoi.
On est bientôt au pont, je pense. Ouais, on est bientôt au pont. Alors, le pont, qu'est-ce qu'il y a de spécial au pont? Ben, vous allez voir par vous-même. Le voilà, le pont. Et merde! Ils sont là, les fumiers. Aiden? Prenez votre position. Avoir besoin de toi. Pas de choix. On va devoir passer tout là. C'est prêt, Aiden? Vous êtes prêts? Moi, je le suis pas. On y va. Aiden, j'ai besoin d'être tout de suite. Protection! Bouclier! Allez, le bélier! Dégagez, mon bien! Non, mais imaginez juste ça, deux lions. Imaginez des soldats avec la même capacité, les mêmes capacités de bélier en ce moment. Ça serait très chic. On l'a loupé. Je répète, on l'a loupé. Elle va faire quelque part. Bon, ben, ils vont m'attendre là-bas. Oh, bordel. Il est 23h alors que je tourne cette vidéo. Alors, vous comprenez que je suis légèrement fatigué. Je me lève, il est 6h. Je me couche, il est minuit. 6h de sommeil dans le corps. Bon, certes, je bouge peut-être pas beaucoup de temps à autre. Surtout aujourd'hui, j'ai pas bougé du tout. Oh, l'enculé. Oh, la mauviette. Alors, il a osé venir me taper alors que je conduisais ma moto. Bon, on va s'occuper des snipers. Voilà, on va s'occuper du sniper qui va viser Jody dans pas long. Voilà, ce sniper-là. Cet enfoiré-là, parce que voilà, je vais m'en débarrasser au plus vite. Après, on va s'occuper d'un autre sniper. Et après... J'adore ce regard. Occupe-toi de Raiden. Avec joie. Alors tout d'abord, on va commencer par lui. Parce que lui, c'est le danger numéro 1 pour l'instant, quoi. Ah oui, voilà, regardez. Quand je vous dis que c'est le danger numéro 1, faut pas oublier une chose, c'est Raiden, hein, qui le contrôle. Au moment où je quitte le corps de la victime, la victime a le... Ah, quoique, allez, on s'amuse. Voilà. Et là, on va vider ce corps-là. On va le prendre en possession. Pour qu'ils ne savent pas, Aiden peut prendre en possession un corps tant et aussi... tant aussi longtemps que Aiden se fait pas toucher. Pas par une balle ou quoi que ce soit, non. Un contact physique rond, tout le truc. Alors, on va juste prendre lui. Alors rendez-vous. Hey, les enculés. Voilà. Maintenant, on va prendre... Ah, il y a un mec ici. Oh, oh, oh. Je vais avancer dans la vitrine. C'est ça? C'est ça? Hein? C'est ça? Oui. Je répète, ne tirez pas. Vous avez pas l'ordre d'ouvrir le feu. On ne peut pas rester les bras comme ça. Elle me frappe pas comme ça. Après, on va aller jeter une grenade. Vous êtes prêts? Chaque fois. Bon, allons s'occuper de la grenade. Allez, Yo, Yo. Et merde. Je te l'ouvre, chérie. Regardez bien ça.
Oui, oui, alors... Gordon, vite, vite, tu dois faire diversion. Explose les voitures. Mais non. Ça, c'est la diversion. Belle diversion, hein. Je dis tout de suite, là. Je ne sais pas piloter les véhicules. Ah, ça, je l'ai dit. Bon. Voilà. Ça finit le niveau, en fait. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. En fait, j'aurais peut-être dû attendre un peu avant de le faire sauter. Mais en tout cas, c'est pas grave. La seule affaire que vous faites après, de toute manière, c'est que vous arrivez à un véhicule, vous le pognez, vous le renversez. Grâce à Eden. Voilà. C'est con de même, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer. Dites-leur de me foutre la paix, d'accord? Parce que la prochaine fois, je vous tuerai tous jusqu'au dernier. Je vous tuerai tous jusqu'au dernier. On y va, Eden. Je crois qu'ils ont compris le message. Ouais, ben moi, je suis collé avec toi, là. Je suis obligé de te suivre, hein. Même si tu veux pas que je te suis, je vais te suivre. Hey, ça doit être bizarre, ça, une vie de couple avec elle. Imaginez ça 2 secondes, ok? Vous arrivez pour l'embrasser, Eden vous fait chier, il vous garoche à l'autre bout. En tout cas, c'est pas grave. Alors sur ce, moi je vous dis à plus pour plus de vidéos. C'était Tigab.